Liverpool, Lawrence Anyways, Sarah préfère la course ou encore Le bonheur des autres, autant de longs métrages dans lesquels vous les avez sans doute appréciés. Aujourd'hui, Cinémaniac vous propose de découvrir 4 comédiens talentueux, prometteurs et qui jonglent habilement entre télé, théâtre et cinéma. Si t'es mauvais dans un mauvais film, on n'en parlera pas. Mais si t'es bon dans un bon film, là on va en entendre parler. T'sais, bon dans un mauvais film, on n'en parlera pas non plus, nécessairement. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu veux le succès du film pour le succès de tout le monde, tu sais. Faut que chaque protagoniste assume son rôle aussi. T'sais, c'est pas tout le monde qui va être drôle. Mm-hmm. Je sais pas comment dire, il y a des rôles plus ingrats, il y a des... C'est une mécanique super, tu sais, et ça prend, mais... Excusez-moi, ça prend des crises d'acteurs pour faire quelque chose de très très drôle. Il faut toujours travailler notre ouverture d'esprit. Tu sais, des fois, tu viens tellement d'avoir un high, mettons, dans un projet d'un tel genre, il faut quand même que tu reviennes au neutre, tu remets ton char au neutre, tu dis « OK, on efface tout ». Moi, il y a une chose que je m'étais toujours dit, tu sais, des fois, les gens me demandent « Ah, vous êtes pas tanné que c'est toujours les mêmes acteurs qu'on voit ». Puis pour de vrai, là, ça m'a jamais tanné.